Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci à pile parce qu'avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Et puis, l'élément d'actualité, on va l'aborder avec un invité nous aujourd'hui, états généraux sectoriels, réalité qu'il y a avec quelques quartiers populaires dans la région métropolitaine. Non? Et c'est entre autres points, on a bien pour nous avec ancien colonel Himmler Ibu. Ancien colonel Himmler Ibu, tu es tous secrétaire d'État sécurité publique pas trop longtemps. Et là, son personnalité bien indiquée hein, pour nous garder, surtout l'aspect sécurité hein, par rapport avec ça qu'a développé jeudi dans plusieurs quartiers populaires dans la région métropolitaine. Merci Pascola, colonel Rebus, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Merci pour l'invitation et ça fait plaisir de passer un bon petit moment ensemble. On démarre avec l'état généraux sectoriel, au niveau gré, comment nous comprenons la démarche du président de la République là, et pour mettre campé, comité, et puis secrétariat technique pour l'état généraux. Bon, et sur le plan stratégique, nous croyons que c'est une mesure qui est arrivée à environ 9 mois de retard. Et l'ENDE analyse le contexte global pays à l'avènement du président Jovenel Moïse au pouvoir. Nous avons une conviction que nous avons une obligation dès le départ, en dehors de l'action gouvernementale lui-même, nécessité d'implication. Tout secteur, tant à la fois social que politique, sur le dossier de fond de la nation. Parce que Haïti, l'Haïti qui a été remise au président Jovenel Moïse, son Haïti totalement chaotique. Dans tout palier. Dans l'organisation politique, dans l'organisation sociale, dans l'organisation économique, et surtout sur fond de déstructuration très ancienne. Parce que bagay n'a parlé de aujourd'hui, ce sont des épiphénomènes. Ça n'a pas parlé de aujourd'hui, c'est conséquence, on s'est de l'autre bagay qui n'a pas fait ou qui était mal fait il y a 20 ans, 30 ans. Donc, et nous t'estimons dans le gré que président Jovenel Moïse a pris une tâche extrêmement lourde et difficile que il était capable d'alléger par l'implication des acteurs politiques, des acteurs économiques, des acteurs sociaux en un espace de dialogue. Ça t'a évité que dès le départ, il n'y ait pas de face à lui-même une opposition lâchée Mayoc, parce qu'au fait qu'ils ont constaté, l'opposition en Haïti pas tellement là pour lui critiquer l'action gouvernementale, pour faire des propositions de correction, c'est généralement un autre que je m'y mette. Et tout de suite. Donc, ça vient prendre une certaine force du gouvernement, non obligé de faire une série d'acrobaties pour gérer l'opposition qui surgit en face de l'IA dès le départ, et qui n'a pas eu le discours que Rachel Mayoc. Donc, nous croyons que c'est une décision qui est venue tard. Mais qui n'est pas trop tard. La décision est venue tard. Maintenant, pas trop tard en ce sens que dès que nous créons des conditions, mais de bonnes conditions, pour nous capables de chiter par l'ensemble, nous ne pouvons pas gagner 100 alternatives en Haïti. Personnellement, nous-mêmes, dans le gré, nous avons analysé la situation très bien. Nous t'ai dit, à côté de l'action gouvernementale qui était capable de débuter vers, nous t'ai capable de commencer à sentir vers le mois d'avril, après la session en février, ça fait février, mars, avril, côté ministre t'ai capable de feuille de route et commencer à entreprendre, après une certaine reconnaissance de leur ministère, de la réalité de leur ministère, qui ça a pris à le faire vraiment. Parce que l'action gouvernementale, pas capable sentir, pas capable commencer avant 3 mois, avant baliser terrain. Et justement, c'est vers cette période que le dialogue national aurait dû commencer. Maintenant, moi je suis d'accord avec vous, pas faire dialogue là, c'est la mauvaise alternative. Faire avec retard, c'est une forme de récupération de ce qui aurait dû être fait. Maintenant, tel qu'organisé, tel que conçu, Fondo là n'a parlé hors document. Maintenant, de plusieurs intervenants, notamment le professeur Olivier Roche, qui dit que tu as plusieurs réunions préparatoires.
Et il y a même des gens qui disent qu'il y a des recherches, des travaux qui sont déjà faits. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de documents, donc nous ne sommes pas capables d'opiner sur eux. Donc, nous attendons, ça nous constatons les premiers problèmes au niveau de certaines personnalités qui ont été fait intégrer. Comité A. Ce problème doit être résolu et bien résolu pour ne pas continuer et gain type ça et que mon yo mette à la tâche que nation vienne au courant qui ça repenser qui ça a fait qui qualité orientation que ça bail car moi dans des critiques qui juste notamment de monde qui presque uniquement représentait l'espace porto-princien. Or, il y a un diagnostic sur les divers secteurs de la nation, mandé une prise en compte et une très bonne connaissance de la réalité du pays intérieur, de la réalité des communes intérieures, des sections communales, des départements. Et ça, c'est seulement des gens qui vivent dans l'espace ça, qui vivent la réalité géographique du point de vue dégradation environnementale, qui vivent les déficits liés à la déstructuration sociale, qui sont capables de faire un diagnostic approximativement bon. Vous avez dit que vous avez avec les tranches d'âge, si vous avez fait un dialogue pour nous entendre nous sous qui s'en est comme pays pour aller venir là, jeunes qui peut-être entre 30 et 40 ans, tu as de gagner une certaine présence parce que au fait, décision pour gagner, il va gagner des répercussions. Sur par contre, sur mon commentaire, bon, sur ça. Là, des jeunes entre 30 et 40 ans, c'est déjà d'une certaine expérience. Or, l'expérience, on vous croit que son monde qui est dans un bureau parce que la vie au quotidien forge l'expérience. Et justement, moi, je crois de ce côté, il y a une nécessité pour dialogue là aller là et bien que travail comité ça c'est à la fois son travail qui est extrêmement technique et qui côté le tas côté t'as des monde qui ont un certain vécu de l'État et sur le plan pratique pas sur le plan seulement théorique sur le plan pratique et justement c'est vécu ça qu'a fait reconnaître que est obligé aller rentrer dans le pays profond aller à l'intérieur du pays et visiter l'état socio-psychologique des tranches d'âge de la nation. Par exemple, assez souvent on a parlé de jeunes, mais souvent les seniors en Haïti, de monde qui traversait la soixantaine, la perception sensorielle, non? C'est des monde qui ont seule alternative à mourir. Alors que justement, les tranches d'âge, ça, sont très grands réservoirs des fois de savoir, d'expérience, également une capacité de projection tout. Donc, c'est au comité de faire son travail. Nous attendons les premiers agissements, de telle sorte que nous sommes capables de côté au praler. Et nous avons souhaité que structure politique ou le secteur organisé pays soit capable de document. Parce qu'en Haïti, assez souvent, nous parlons sont pile bagaille que nous ne connaissons, sur lesquels nous ne pas vraiment informés. Au point que nous devons venir avec des idées qui existaient déjà. Donc, ça va permettre que nous utilisions l'énergie nous, et mobilisation intellectuelle nous, bien mieux. Si tu as des documents qui permettent nous entrer dans l'esprit concepteur et ouais qui ça vraiment le vrai dialogue capable de venir. Car le travail de ce comité, à notre sens, au gré, c'est un travail préparatoire au dialogue national que nous pensons qui est indispensable et incontournable. Parfait, mais il y a des gens qui croient tout, colonel Rebu, une nation gros défi, mettez haïtiens ensemble. Mettez haïtiens pour chita parler, pour discuter son gros causé. Il y a des tentatives qui étaient faites déjà et malheureusement pas abouti. Je veux dire, qui soit quoi que tu as donné, le comité a décidé comme stratégie pour arriver, n'est-ce pas, mettre tout le monde en confiance pour que d'accord une chita sous table là. Pour discuter, mais tout discuter pour ne pas sortir plus fâché par rapport à l'agenda avant. Bon, premièrement, le principe des échanges, c'est un bagage qui est incontournable. Le dialogue en Haïti est aujourd'hui incontournable. Maintenant, assez souvent, nous connaissons des gens qui
sur des positions tranchées. Et nous connaissons et la politique, parce que la gestion d'un pays, pas grand l'autre science, pas grand l'autre technique pour faire que à travers la politique. Et quel que soit le pays, c'est les concepteurs politiques qui décident qui sont un pays à venir en bien ou en mal. Ceci étant dit, nous connaissons en Haïti, nous dit par une gauche, par une droite, c'est là nous arrivons au pouvoir. Là nous arrivons au pouvoir, là nous avons le pouvoir dans main. Nous rencontrons assez souvent, si nous sommes à gauche, nous avons fonctionné avec des méthodes de droite. Et si nous sommes à droite, nous avons conseillé de immixion de la gauche qui fait dans le concept nous et dans le mode opératoire. Nous. Cependant, avant d'arriver au pouvoir, nous avons une perception de la société et du pays qui allait sur les tendances de gauche ou sur les tendances de droite. Donc, moi, je crois que il y a des gens qui sont irascibles, qui sont dans des positions fermées sur certains sujets sociaux, sur l'organisation de la société, sur, par exemple, des domaines comme les options dans l'éducation. Moi, je crois que ce sont des discussions profondes qui vous mettez pays à lui-même au centre. Pays à lui-même au centre à partir d'un bon diagnostic. Pas un diagnostic vengeur côté chaque a cherché qui ça pour reprocher, qui ça l'autre a été fait et en mal. Parce que assez souvent, l'on a critiqué l'action en Haïti, nous toujours bonnés à ça que vous faites qui mal. C'est comme si, par exemple, rien qui fait qui bien. Donc, moi, quoi, il faut que nous soyons capables de sager ça, ou admettre avec moi que c'est une tâche extrêmement lourde et difficile que le comité a gagné. Moi, pas capable de déterminer la stratégie. Parce que, intellectuellement, moi, pas, c'est que je ne connais pas la rampe de lancement de travail. Je ne connais pas. Et nous avons une idée sur la question. Tout comme nous toujours gagné de nous sur l'organisation du pays du point de vue conceptuel. Et c'est ça fait dès 2007 déjà, nous te sortons un document pour nous dire quel que soit ça nous fait, l'État ça que nous construit à travers la Constitution de 1987, pas qu'à marcher, l'IPAP marcher, nous te dit pour qui ça, mais nous te dit tout, qui j'en correction ou t'as dû faire, qui ça que t'as dû corriger pour qui ça. Donc même quoi c'est même bail là, et tout le temps nous passons à dialoguer, nous sommes que nous à gauche, que nous à droite, que nous à mi-temps, nous ne pouvons pas côté nous aller, sinon nous continuons à descendre et à parler de mauvais bagages que nous avons subi tous les jours. Déjà, on va parler très difficile, il y a des personnalités qui disent au pape d'accord, chita, si telle personnalité dans l'espace là, ouais, déjà, son problème, et qui même désistait pour ne pas rentrer dans le comité. C'est un problème réel et qui te doit faire l'objet d'une étude. Parce que il y a des gens qui connaissent des choses qui passent entre eux. C'est très difficile pour quoi qu'on peut le mettre au chita. Et dans un groupe ensemble. Et nous, ouais, ça arrivait, ça a exprimé publiquement, malheureusement. Si c'est pour l'intérêt du pays, colonel. Il y a des choses qui ont un caractère personnel de affront ou bien de bagaille, de blessure personnel que on moun fait on l'autre. Faut moun yo ta une capacité de transcendance énorme. Et c'est ça la chercher, je veux dire. Ah ben justement, c'est pas donné à tout un chacun de savoir pardonner. Et c'est tellement vrai que le pardon, c'est une indication biblique 10 000 fois répétée. Parce que justement, nous connaissons, c'est pas toujours un bagaille qui est difficile. Et nous gagnons un dicton. Et haïtien qui dit, bah oublié, pour te mal songer. Et c'est une réalité. Et maintenant, pour arriver à transcender, c'est pas toujours facile. Et les concepteurs du projet, obligés de tenir compte de ça. Parce que ça, faut faire perdre de temps. Une personnalité potentiellement remplaçable par un autre monde. Donc, on n'est pas obligé à perdre du temps pour me gérer de conflits. Qui va gagner un boulot avec travail, je vais le faire,
mais qui gagne pour le un cadre totalement différent. Et c'est pourquoi, et c'est pas une mauvaise idée que tu es avant bagarre la terrain public, que tout le monde qui t'a pas fait partie de la commission, l'un et l'autre est capable de connaître qui est le monde qui l'a donné. Et si tu as des réserves, tu es capable d'exprimer les réserves là, et en privé. Parce que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne image que de monde qui est passé dans la position pour diriger l'État a bâillé sur la place publique de témoignages de irascibilité, de incapacité pour ne pas donner au monde qui te font bagaille. Donc, cette personnalité-là aurait dû être protégée pour ne pas obliger vendre l'image ça sur le plan public. Mais ça arrive dans un petit secteur, dans un pays, il y a des conférences où on doit organiser, vous parlez avec un intervenant, il dit qu'est-ce qu'il y a là, vous dites X, il dit non, pas chita ça. Et c'est peut-être pas qui arrive en pile côté, dans pile secteur, pas seulement dans le secteur politique. Là. Oui, c'est vrai. Parce que nous sommes une société qui côté nous fait des. Et ça pire là sur la base du néant. Et ça va rendre une tâche comité pilotage plus difficile dans une société comme ça. Bon, comité pilotage là, il y a un travail dans même. Il déjà qu'on est à partir de réalité ça. Que le grand travail supplémentaire pour le faire, de précaution, de qui j'en la mixer mon amour. Ça, tout simplement, faire pas perdre du temps. Parce que nous, les personnalités, parce que c'est mon yo, toujours interchangeable. Donc, je n'ai pas aucun intérêt mal perdre du temps avec mon côté, je n'ai pas l'énergie pour mal résoudre un problème que je ne connais pas, qui n'est pas concerné, ça m'a fait. Donc autant chercher des gens qui permettent d'aller directement vers son gain pour faire objectif. Parce que je dis à tous, c'est une société très polarisée. Chaque fois, vous déplacez pour ça, vous cataloguez, et qui vient faire que vous avez une pelote, une société tout de méfiance. Maintenant, vous avez ça tout comme tableau. Et la formule pour arriver à mettre tout d'accord, mettre tout ensemble, et puis mettre nous dit qui ça va faire à PIA, vraiment, on dit très difficile. Mais il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. C'est comment? Parce que c'est une réalité. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte de son réalité. Et, par exemple, il y a des gens qui disent, si vous êtes listing de gens qui tapent là, vous tapent tout simplement désister. Son méthode. Son méthode. Dès le départ, je connais que les gens qui là, c'est des gens qui parlent des contentieux irréconciliables entre eux et qui sont capables de parler. Mais écoutez, c'est comme approcher tout notre secteur, qui sa méthodologie selon où tu as doué. Parce que là, par exemple, au secteur éducation, par exemple, les associations syndicats, les associations l'école privée, les associations professeurs. Mais donc, c'est comment jouer un secteur ça pour que le parler d'une seule voix par rapport avec le domaine, par rapport au secteur par là. Est-ce que ça, ce dit là, qui est une réalité, c'est une bagaille que nous analysons dans le gré, qui représente un pierre d'achoppement pour le pays. La parole, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible qu'il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire que quel que soit le bagage ou a fait, il faut passer par le dialogue. Mais nous venons tomber en Haïti sur le parler indiscipliné. Côté tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé de tout bagage. Et assez souvent sur la base de impression, sur la base de yodi, sur la base de non-recherche. C'est que nous n'avons pas à prendre le temps pour faire des recherches sur le monde ou bien sur le bagage que l'on vit par les deux. L'idée de bagage extraordinaire, des fois de bagage grave, et l'homme dit le sou qui base. Il n'y a pas qu'à jour. Je vais prendre un exemple. Mon état-major qui fait sortir là. Je vais donner deux bagailles d'une gravité, mais d'une grave gravité, son personnalité quand le colonel Jean-Aubert Gabriel. Là, on prend une responsabilité pour dire publiquement un tel ou son colonel criminel. En dans la société, son bagage est grave. Parce que pas aucune société côté un criminel gagne l'autre place que derrière les barreaux.
Maintenant, quand on dit ça, on pas foutu dit qui joue, qui boit, qui le, sous qui moun, que moun sa te pose un acte criminel. Mais ça, on dit au fin d'il, grand pile moun qui tendel, et grand pile moun qui croit parce qu'on dit, c'est vrai. Donc, on mette un tache sous moun, sous famille, sous secteur social côté l'appartenu, et puis là, on y a vraiment oui, qui crime moun sa te remettre, pas qu'on dit. Par exemple, moi-même qui passe 17 ans dans l'armée, qui expérimenté au monde comme Jean-Robert Gabriel, son bagage d'une flagellation terrible que au monde arrivé associé, moun sa que me connaît au mot de crime. Et c'est pas un monde n'importe qui monde qui dit son avocat. Et un avocat connaît très bien que en matière criminelle, la responsabilité est personnelle. Cela veut dire que moi pas cap rentrer ca au monde pour arrêter madame ni parce que Maria lui-même il était font crime. Donc crime que Maria commet là, moi pas cap mettre le sous dos madame nan, ni sous dos petite là. Il est capable bon bagarre regrettable pour famille, même pas cap pénaliser famille. Or si par exemple moi dans état major, il y a des actes qui posé, moi j'ai une responsabilité morale. Parce que j'étais là pour me prendre des mesures pour empêcher de bagarre arriver et le arriver pour me prendre des mesures contre monde qui fait là. Mais on pas qu'à pénaliser moi-même du crime lui-même s'il y a crime. Donc ouais même monde qui instruit qui passe en pile dans l'école qui arrive faire des études de droit qui connaît très bien l'imitation de la parole surtout leur parler non société de crime. Il y a une possibilité pour le dérailler. Donc cela veut dire que nous avons une utilisation que pour nous apprendre à quelque niveau que nous y est fait de bagaille la parole là. Mais dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas avoir avec gens dans le secteur, chaque monde a un petit groupe pas, chaque monde a un petit chapelle pas. C'est comment approcher pour que yo parle d'une seule voix, l'éducation. Justement. Santé et... Justement, par exemple, en matière d'éducation. Assez souvent, sur la base d'aucun diagnostic, autant des étudiants, c'est eux-mêmes qui ont décidé qui est pour professeur, qui est pas professeur, qui n'est pas professeur. C'est basé à Mdabdou, nous arrivons dans une sorte de libertinage de l'acte de parler. C'est professeur qui a besoin de prendre ascension, qui a utilisé étudiant pour être capable de chasser l'autre professeur, pour être capable de prendre place. Ça casse la hiérarchie interne dans l'acte d'éduquer. Et qui pourrait le faire que le professeur ça a l'air de venir en place que tu as développé, il n'y a pas qu'à bien contrôle associé aux qui, des élèves. Donc à partir de ce moment où il y a un dysfonctionnement de tout le système, non? Côté qui soit vu aujourd'hui, côté l'université bloquée. Pourquoi ça le bloqué? C'est parce que l'indiscipline, le non-respect des normes et des principes, c'est eux-mêmes qui viennent donner une manière d'opérer et de faire. Donc, à partir de ce moment, ou pas qu'on avec qui on va parler, ou arrivez non point côté que l'élève a obligé de sortir dans la rue pour demander présence professeur. Ou bien, il y a des situations, quand on a un pile professeur qui a touché, qui parle travail, et on a un pile prétendu professeur, ou bien de professeur réel, qui a travail qui n'a pas touché. Et là, on prend des mesures pour régler une anomalie pareille, ou est-ce que nous faisons vivre. Avec bon, tout le monde à le plonger sous Kassa avec des conclusions rapides qui paraît plausible là qui a été posé et dans le nord-ouest sur la sœur du ministre de l'éducation de l'éducation nationale. Et nous profiter de micro là pour nous présenter nos sympathies à ministre et à toute famille madame qui perdit la ville un matin et sans que les pattes malades les pattes gagnées. Parce que il y a des gens qui, apparemment, peut-être capable de trouver un cible facile face à ça que vous croyez que Frère fait, qui est totalement normal. Cela veut dire que nous avons une société qui est extrêmement malade. Et ça, n'a pas vivre là, c'est un épiphénomène. Ces conséquences, par exemple, où est-ce que ça va arriver au niveau de la sécurité en Haïti aujourd'hui, quand on a l'impression, wow, mais il n'y a pas de personne qui a le contrôle de ça. Est-ce que les questions de fond ont été posées?
Je ne sais pas. Est-ce que, parce que l'homme garde un nègre qui est désœuvré, un monde qui n'a pas de travail, un monde, parce que un monde qui a pris un métier bandit, ce n'est pas une décision facile. Non? Pour un matin, on décide de ces bandits. Oui. C'est une hypothèque qu'on prend sous vie de tous les instants. Donc, on n'est pas aucun citoyen normal qui a pris une hypothèque comme ça sous ville. Donc, c'est une personne que certaines circonstances sociales mènent là. Mais on peut avoir une pile de monde qui est mieux placé que lui, qui remet la vie. Et c'est lui-même qui a alimenté en armes, en munitions. Et assez souvent, il a laissé résoudre le problème de côté de l'Aïe. Parfait. Alors, nous allons parler de l'aspect ça, mais vraiment, le matin, là, vraiment, le comité a du pain sur la planche. Ah oui, énormément. Six mois pour y vivre. C'est impossible. Là, je dis carrément un travail bien fait. À moins que j'ai deux, trois, il va prendre deux, trois papiers, coucher deux, trois terroristes ou papier. Mais un travail bien fait sur le plan conceptuel, sur la vérification du terrain qui est indispensable, de façon pour nous suivre, pour nous connaître de qui ça a parlé. Et ensuite, sur la mise en commun, parce que pour moi, ce comité, c'est un comité, c'est une commission qui va produire un document. Et que les pactes pour stabilité, progrès social et économique pays. Et ça va venir à travers un gros dialogue. Et ou pas un genre pour faire dialogue là pour comprendre ou pas l'impression qu'il y a des secteurs qui là, des secteurs pas là pour le marché. C'est pas vrai. Et ce comité là, tel qu'il est composé, là nous analyser profil Mounio, nous analyser Salier, nous ouais, c'est un comité qui là pour préparer le dialogue national. Préparation pour le faire là. Oui, il n'y a pas de l'autre bagaille. Ce comité ne peut pas être le dialogue national. Ça, c'est il n'est pas capable. Pour qu'il sache selon vous. Et la tâche est trop immense. Okay. Et la connaissance des spécificités sectorielles. Parce que il y a connaissance spécificité sectorielle sur papier. Mais il y a connaissance sur l'expérimentation sur le terrain. Et ça, c'est seul monde qui vit capable de jouer. Et par exemple, grand pile bagaille, quand tu vois les approches théoriques sur l'organisation d'un pays, dans d'autres livres, d'ailleurs, c'est ce qui détermine la nature des programmes politiques des partis politiques. Et pour qu'ils aient tel parti politique, prend une option, telle option en matière d'éducation, alors qu'on l'autre prend telle autre option. Ça, ce sont des concepts. Mais lorsqu'ils sont sur le terrain, les mêmes voiles, fait face à problème, il y a beaucoup d'éléments conceptuels qui vont être modifiés, qui vont devoir s'adapter, ou bien pour qu'on prenne réalité, pour qu'on concevoir d'une autre manière par rapport à la réalité. Tel que par exemple, je vois concevoir l'éducation aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on doit concevoir la France. Parce que ce n'est pas la même typologie de citoyens qu'on voulait former. Et je dis en Haïti, tout problème n'a pas l'air. Il y a des racines d'un seul côté dans l'éducation. Tout le bagage n'a pas l'air, il y a des racines d'un seul côté dans l'éducation. Il y a des racines d'un autre côté dans la déstructuration de la cellule sociale qui est la famille. Maintenant, pour qui ça, cellule sociale, ça a éclaté? Si vous ne répondez pas à la question, ça, vous allez venir avec un pile diagnostic qui passe à côté. De toute manière, ce n'est pas spontané, c'est en construction. Voilà, c'est ce que vous dites. Nous sommes en train de payer les contre-coups d'une déstructuration qui commençait le 7 février 1986. C'est pas bamboche populaire seulement. C'est le fait que nous attaquons les valeurs essentielles qui constituent nos sociétés à partir de ça, nous avons quoi qui était fait qui pas de bon. Et puis là, nous venons pour nous corriger ça, nous avons quoi qui pas de bon. Nous faisons plus mal. Par exemple, nous toujours attendu à dire que le régime Duvalier est un régime qui était méprisé les droits de l'homme. Okay? Qui était violé les droits de l'homme. C'est une plus gros reproche que fait les Duvalier, c'était une dictature. Moi, je songe l'homme de Timoun, dès qu'on entend des paroles, je dis, il a couru avec le monde. Cela veut dire que le monde n'a pas été disparu. Ou pas le monde, mais on ne connaît pas ce qui s'est passé. Période 1986, m'a assisté à l'époque de mon télévision nationale, côté Nouéa, qui prend chance, qui était quoi de normal, pour y avoir rendu public des images côté y a tué de monde.
quand il y a passé de caoutchouc dans commun pour bouler au même ouais image on est qui peut être avec un mousse au bras au monde n'a collé dans la dent et ces images ont été retransmises par la télévision. Cela veut dire quoi? La première valeur humaine, c'est la vie. Donc nous démonter concept la respecter la vie au monde. Donc nous venons faire plus mal que Duvalier. Non seulement nous tuer moun nan, donc nous faisons un crime, mais nous admettre, nous revendiquer crime nan. C'est ça qui va déboucher sur un bagaille, par exemple la démystification des cimetières. On rappelle longtemps pour moun rentrer dans le cimetière, son lieu de recueillement, son lieu qu'on rentre en silence pour aller la prière. Nous dégénérer à un point tel que il y a des moun qui retirent de cercueil en un cave, il y a des moun qui dorment dans un cave, dans des cimetières. Cela veut dire qu'on côté que nous sommes rentrés avec déférence, des fois même une certaine peur, ou certain, tu vois, dans le mysticisme, dans la conception de ce que nous savons qu'est un mort, nous sommes rentrés presque tout peureux, ou bien nous aller vers ton monde nous connaissons pour nous recueillir nous pour la prière. C'est espace côté gang après des autres. Donc, nous avons des gens qui dorment dans le cimetière. Tout ça, tout parce que Mitch est tombé. Justement, parce que nous attaquons les valeurs fondatrices de la société. Nous attaquons la vie, moun. Nous attaquons bien, moun. Nous attaquons le concept du fonctionnement social qui est basé sur la hiérarchie. Côté moun qui n'est pas respecté, moun qui est dans le niveau intermédiaire. Là. Et moun qui est dans le niveau intermédiaire, là, pas respecté, moun qui est sous tête. Là. Côté, on va jouer moun qui est sous tête. Là, pas aucun respect tout pour moun qui en bas. Donc à partir de ce moment, c'est comme dans une maison. Il y a l'amour des enfants pour leurs parents, mais c'est pas un amour qui les veut qui fait tout naturellement comme ça. C'est un amour qui construit au quotidien dans la nature des relations entre le père, la mère et leurs enfants. C'est pas parce que M. Pissitou qui fait m'obliger un mot tout de suite. À moins les pralier son série d'échanges, une série d'attention et ceci depuis bébé jusqu'à arriver plus haut. Côté non seulement côté amour, on vient confondre avec admiration, respect. Or, ce sont ces valeurs-là que nous avons détruites. Et tant que nous pas joignons qui gens pour nous reconstituer valeurs ça, tout le bagage n'a pas lieu, c'est blague n'a Et comme il y a de travailler sur ce que dit là, ce sont les fondements. Mm-hmm. C'est que nous, bon société qui je dis, qui crase dans mes noms, il faut nous répondre à une question pourquoi et comment. C'est là nous répondre à une question pourquoi et comment, nous avons capable de comprendre comment maintenant on peut faire pour reconstruire. L'autre point que je vais aborder, et que l'on a vu, c'est la situation sécuritaire là, dans quel quartier métropolitain, dans quel quartier dans la zone métropolitaine, là, situation difficile, quartier populaire, et gang à battre à gang, qu'on est ou on expérience la question de sécurité. D'ailleurs, tout récemment, tu es secrétaire d'État à la sécurité publique, il y a des données qu'on vous dispose par rapport à l'expérience dans l'État, par rapport à l'expérience dans la machine de sécurité de l'État. Qu'est-ce que tu as problème ça, ça fait aujourd'hui en réalité ça et ça lié dans le quartier populaire? Dans aucune société, des ordres pas jamais faits par le bas. Dans aucune société humaine. Rentrer dans la famille. Sautant des petits mouns, y a boumé, yon contre l'autre, yon a joué maman l'autre, ou bien yon a voué roche de l'autre. Campé, papi ni petits mouns, al gade qui sa maman avec papa yon fait. Parce que le fonctionnement humain vient sur l'enchaînement de la répétitivité des paroles et des gestes. On ti moun kap joue maman, kap di gros mots, forcément apprend yo dans bouche maman, dans bouche papa. On prend une situation de criminalité qui gagne au niveau de secteur, que le secteur populaire. Il katedil ka voisin tout. Pardon? Il katedil ka voisin tout. C'est ça m'dou. C'est environnement. Pour ti moun n'a pas gardé le. Tendez ça l'a dit, garde ça l'a fait, et puis garde dans quel environnement l'a évolué. Et vous comprenez tout de suite. Parfait. Par exemple, l'homme ou nègre qui bandit, premièrement, je vous dis tout à l'heure, son nègre qui prend un risque sous ville 24 heures sur 24. Parce que être bandit, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier de désespoir, d'ailleurs.
Maintenant, monsieur Gagné, yon M4 nan men, ou bien gon Galil nan men, comme nous avons regardé sur tous les réseaux sociaux, ou bien monsieur gon pistolet Taurus ou bien pistolet m'pa konnen. M'pral fon ou avè, moi même qui passe 17 ans dans l'armée, sou di m'jodi ya, ou besoin pour faire acquisition zam, ou bien qui ça m'a pris pour nous, m'a dit écrit la police pour demander une autorisation pour le bon papier. Et qu'on y a dans n'importe côté où on a à l'étranger, qui apparaît avec papier ça, il y a 20 nous amenant, et on va délivrer les amenants dans la ligne aérienne, dans le pays commandé, et l'elle arrive dans le pays, on va le côté la police, ou bien la police avec les amenants commandé à l'entrée, ou à venir à papier pour le baoul, pour le bon papier. C'est quoi normal là? On pas contre l'autre là. Ok. On pas contre l'autre là. Parce que pour ta contre l'autre là, il faut être en gang. Maintenant, ne qui gagne les amenants? Nèg la pa ka acheter ça. Li pa konn côté pour aller pour l'acheter ça. Pire, lè fin gen zam nan, faut gen cartouche pour la tirer toute la journée. Nous pas produit cartouche ici. Donc li gen un moun k ap approvisionner en zam et en cartouche. Mais c'est pas monsieur problème, c'est pas nèg k ap tirer ak problème. C'est ça nous tout problème nous gen si nous pas connait pour nous remonter à la source. M'pral bon exemple. Ou dit à l'air que le secrétaire d'État de sécurité publique, c'est vrai. Je suis le président privé, je suis en tâche à la sécurité publique quelques mois avant la réalisation des élections. L'homme prend mon gemier pour jeter sur la scène nationale mon devoir de réussite. Or, je compte très bien par une personne en Haïti qui est capable de faire personne garantie. En matière de sécurité, aucun côté sur aucun point dans le territoire. Ça fait ça. Parce que nous n'avons pas réuni les conditions de sécurité. Pour assurer la sécurité, c'est la sécurité moun par rapport à l'autre monde. Ok? Si il est vrai que nous avons identifié moun pour m'assurer la sécurité, yo. Mais moun kap ba insécurité, il n'y a pas aucune méthode pour m'identifier. Nous n'avons pas un registre des citoyens en Haïti. Mm-hmm. Nous n'avons pas d'empreinte, nous n'avons pas de profil. Toute structure de formation que nous avons gagnée, qui est liée à la connaissance des gens au niveau des quartiers, quartiers atomisés dans nous, et nous craser toute structure pendant près de 30 ans. Donc, premier bagage que l'État a gagné, c'est désarmer en capacité de formation. Parce que l'État, ce n'est pas courir des crimes, non, le fait. C'est d'abord empêcher le fait. Anticiper. Il faut anticiper, il faut l'informer. Or, qui s'agrivait toute structure d'information, nous graser. Côté service d'intelligence. Je vais faire un témoignage. Haïti, son pays, petit moyen qu'il gagne, si on était utilisé pour faire travail, pays a vraiment, nous avons fait un gros bond en avant. Je ne crois pas que Haïti utilisait le quart des moyens financiers qu'il gagne. Pour faire travail, il y a pour faire. Plus de trois quarts des moyens de l'État passent dans des circuits qui n'ont rien pour louer avec le travail qu'il y a pour faire pour l'État. Donc, du point de vue organisation, concept et fonctionnement, nous déjà affaiblis. Maintenant, qu'on est à part avec ça qui est là dans le quartier. Je vais le venir sur directement pour comprendre. Allez-y. L'œuvre est une tâche de la sécurité, notamment de la sécurité des élections. Premier bail moi dit, si je pas anticipé, je suis déjà échoué. Parce que si pendant l'élection, il y a un cartouche qui tire dans le bureau de vote, moi-même mourir. Donc il faut empêcher sa fête. Pour empêcher sa fête, qui est-ce qui est capable de faire des ordres dans une zone élection? C'est d'abord des gens qui ont intérêt dans l'élection hein, et qui estiment que pour une chef, il faut que c'est par le banditisme pour passer. Moun yo pa dan pile dans domaine ça. Moun rive faire identification et met une stratégie presque personnalisée sur yo. Au point que mon nèg sou ou sorti et grand pile famille yo te connaît, si yo sorti al faire des ordres d'élection ça, y a sorti mais yo pa rentré. C'est clair. M pa konn kote yo pral aller non. M kab c'est un côté famille yo ka bal rendre yo visite parce que nous te préparer en pile barre de l'eau.
en pile manger pour nous bailler manger mais son nèg social fait des ordres d'élection pas pour retourner la caillou. M'a dit la blague. Et moun qui te capable faire des ordres, yo te connaît que me dit ça et yo connaît que me cap faire ça me dit. Donc comme nous nous jouer, nous connons ou qu'on aime. Donc on Barik Mahia est là. OK, Barik Mahia est là. Ouais, élection passée dans la tranquillité. Mais ça pas veut dire que me te gain moyen. Capacité organisationnelle et moyen c'est des ordres t'a fait pour me contrer non. Donc premier rôle c'est empêcher les ordres de la fête quel que soit cas de sécurité okay? Par exemple problème qui vient là côté négro tellement à l'aise bon déclarer la guerre la clotte il déclarer la guerre yo dit que déclarer la guerre deux ou trois jours après au fin dit là yo fait et nous camper n'a assisté. Et pas de personne dans la structure de l'État qui est capable de dire qu'il y a une solution viable pour bagaille ça, à moins que. Mais ça fait pas une solution, hein? Parce que vous payez pour faire ça. Ah, et c'est des gens qui ont certains experts. C'est pas parce que vous avez ça, Mabdou. Vous avez un chai que vous obligez de porter, mais le chai là, c'est pas vous qui acheté. Mais c'est au clair. Justement. Il a compris son habitat. Mais c'est au clair. Sauf comment vous dites que vous mettez des unités qui descendent. Dans le secteur populaire, elle mette l'eau. Pacifier zone, yo. Pacifier zone, non. 80% de monde qui prend la victime, pas gagné rien pour avec ça qui a passé. Vous connaissez une carte de bois croisée tout? Qui te balade? Pas de bois croisée. Les amis, nous. Plus ça passe par la ligne directe. Il y a une méthode pour ça. Il y a une méthode pour ça. Et moi-même, je dis, si on arrive à mettre main, c'est pas pour le phénomène de, du kidnapping en Haïti. Pendant longtemps, nous devons comprendre que c'est malheureux qui a fait kidnapping. Pendant longtemps, il passe dans conscience nous, c'est que nèg nous avec zam nan qui nan c'est quand le phénomène a fait la banque et nèg la paraît sur zam nan mais lui ou se prend temps comme tel côté baili. Mais nèg la dans la rue. Il pas dans zone banque là avec. Comment le fait qu'on nous se prend temps comme. Donc c'est pas nèg là qui vient avec pistolet qui vient demander comme là problème non. C'est source côté information sorti à qui problème. Lui c'est qu'on attaque source pour que je t'ai dit tout à l'heure. Pour si monsieur dame ça ou pas une mission ça ou gagne mais on a cassé. Mais que l'État fait travail. Que l'État fait travail vraiment. Que l'État fait travail vraiment. Parce que moi dis, dans une société comme dans une famille, des ordres pas jamais fait en bas. Des ordres là sortis en l'air, ils descendent en bas. Des ordres pas cap fait en bas. Et là, vous voulez résoudre le problème là, c'est en bas ou aller, ou pas faire l'autre bagaille qu'augmenter les charges. Mais il faut dire, il y a un petit gentil de politicien, il faut dire, il faut dire, il dans le secret de Dieu. Ce n'est pas politicien seulement. Mais pourquoi dire, il y a un petit gentil ciblé politicien. Nous venons faire une règle dans le pays que nous avons subi, soit par un bandit, soit par un vagabond, ou pas par un chef en Haïti. C'est ça le système noyé. Nous connaissons très bien en Haïti, il y a des nègres. C'est volé, oui. Et puis, nous avons vu député, le sénateur. Tout le monde connaît. Nous connaissons, dans le Parlement, nous connaissons des gens qui font des actes d'assassinat, notamment nous avons cas, côté des gens qui ont assassiné un policier qui était dans la circulation. Et puis, le système nous a fait, parce que nous député ou bien sénateur, il n'y a pas qu'à faire répondre à la justice de crime que nous faisons. C'est ce système que nous avons construit. Donc problème n'a pas lieu, c'est blague n'a pas lieu. Mais c'est pas ça son fatalité lié. Il dit bon fatalité, son bail conceptuel lié. L'État nous gagne la jodia, nous concevoir, lui il écrit de nous côté. L'État nous gagne la jodia. Il dit que nous gagne une structure électorale qui pour bord 12 000 chefs. Et puis là n'a regardé qui bon prévoit pour payer chef ça pour travailler pour le faire, il prévoit pour payer un peu pour pas payer l'autre. Système électoral nous gagnons, il est basé sur l'argent sale et le banditisme. Mais l'argent sale avec le banditisme, il n'est pas venu rentrer dans le système politique nous, comme ça, non? Il est rentré dans la société d'abord. Je dis à une jeune fille qui a 22 ans, 23, 4 ans, qui est bien pimpante, bien visible, etc. Il est assez souvent réduit nos points, côté c'est quoi qu'il est obligé d'utiliser pour être capable de soutenir la famille. Et la famille connaît très bien que mademoiselle là l'est obligée de sortir, de dormir au côté, de vivre
avec un monde que le pata supposé vivre pour le capoter de moyen pour supporter maman, pour supporter papa, pour supporter petit frère. Donc nous avons une société qui est inversée, non mais nous. Mais bagay ça qui que nous vivons dans la famille, c'est ce qui vient répercuter dans le système politique. Nous. Au point que moun di ou que c'est vagabond avec bandit qui fait drug dealer qui fait politique. Maintenant, si c'est eux-mêmes qui font politique, mon Dieu, qui est-ce qui va le passer? Parce que, un monde qu'on est, ou pas qu'il y a ou pas long élection, c'est une élection qu'on a aller. Et vous connaissez les gens qui viennent là, les âmes, qui viennent tirer ou chita la caillou. C'est ça qui va le faire, que société normale là, vienne nos moments d'observation, les chita la caillou, les pas participer. Les gens qui ont participé dans le système électoral là, ce sont des guerriers qui admettent que eux-mêmes, ils n'ont pas quitté le bandit, faire au fait bac. C'est une décision. Parfait. C'est pas une décision qui est à la portée de tous les citoyens. Donc cela a fait de notre système politique un système basé sur le banditisme et l'immoralité. Maintenant, l'un ça mental, ils sont mental de bandit et de vagabondage. Ils arrivent dans la tête pour décider d'en bas l'État. Comment on va le faire? Ils sont pas capables. Donc c'est ça qu'il faut, pas capable une solution. Parce que sous rentrer dans le Parlement, sous le chercher monde de bien, la difficile pour 10 doigts tout pas qu'on résout le problème non sauf les comptes. Donc moi ce que je crois nous avons un problème de système et c'est justement l'un des rôles de cette commission, le rôle du dialogue national, capacité nous pour nous un vrai problème yo, et la méthodologie à mettre en place pour chaque monde capable de place dans la société. Gen moun kanikwa ni arrive matin sur CNH et puis connaît qui ça capable passer au dia dans quartier populaire dit ah. On va attendre pour connaître qui ça formule la tadoyer pour autorité dans le système sécurité tu as joindre une solution parce que mon cas venir casser populaire expliquer casser comme psychose mon cas passer dans zone par exemple centre par le cafou mais cap saute cafou en plus fois la difficile pour yo je veux dire qui ça approche tadoyer pour mettre la paix plus ou moins par rapport à ça qu'a développer pour pas continuer colonel Rebu ou cap comprendre que l'étape extrêmement difficile pour moi il me l'a Rebu on t'a dit publiquement la méthodologie de ce qui pourrait être fait. Ça que je connais assez souvent, autorité qu'on coincé à un point tel que qu'on choisit la mauvaise méthode. Nous rappelons une fois, tu as des situations pareilles, pour tes président Préval, tes président, premier ministre Jacques-Édouard Alexis, tes premier ministre, et tu es réduit à un point tel. Pour yon te dit que faut nous négocier à bandit. Le premier ministre Jacques-Édouard Alexis, tu as même dit dans tout le pays, yon négocie à bandit. C'était un bail d'une extrême gravité. Et à l'époque, nous te connaissons une méthode que le ministre lui-même qui ne voulait pas retrouver le lanzin. Mais yon te un programme, prend autobus le soir, chercher bandit. Mais les bandits allant parler, allant négociation, etc. En DDR. Et ça que tu es venu faire, les bandits sont venus dans nos métiers. Et nous, nous avons parlé, c'est aussi à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas dire c'est des montages. C'est bio, tellement clair que, au point qu'il y a une forme d'enracinement du banditisme comme méthode et comme moyen à l'intérieur de ce secteur, parce que comme nous, ils n'ont pas de capacité pour alimenter tête en armes. Ils n'ont pas de capacité pour alimenter tête en munitions. Donc si nous tentons toujours de résoudre le problème là où apparemment il se trouve, nous avons fini de résoudre le jour apparemment. D'ailleurs, pas bien que les bandits sont êtres humains. Tout être humain peut blesser. Voir pour l'autre sac pire de là que est la mort. Parce que personne qui veut la mort. Si nous sommes convaincus. Que la mort en vie baille tout le monde, capable de venir bon pot la kaili, la font tempo. C'est la première parole, moi dit. Deuxième parole là, il ne faut pas chercher un pansement pour mettre sur un cancer. Il faut trouver des cancérologues pour aller à la racine du mal. Donc, c'est ça, moi, je crois. Des méthodes pour résoudre le problème au niveau des quartiers populaires, parce que les gens qui vivent dans le quartier sont finalement tournés otages. Parce qu'ils sont obligés de faire complice de bandits pendant un temps assez long pour protéger leur vie. Donc ce sont des otages. Donc il y a des méthodes
qui m'a dit en pile patience, en pile temps. Mais ça, c'est plus important que nous ne faisons dans la société. Nous ne prenons pas moyen pour les renseignements, pour nous faire renseignements. Parce que l'homme de sécurité d'État, sécurité publique, qui a constaté, le CPJ qui est responsable du renseignement sur le territoire national, pas de plus que 35 000 goudes par mois pour le faire travailler sur tout le territoire national. Alors que les moyens pour les renseignements étaient énormes, étaient passés par des sur. Par exemple, Mabdili, ou bien un ministre au sens ainsi qui serait de l'État sécurité publique, je dis. Soit poser la question, il n'y a pas de répondre pour par un devoir de réserve. Mais moi-même, Mabdou, monsieur que monsieur n'a pas gagné 5 millions de gouttes pour faire renseignement par mois. Alors que soit garder enveloppe renseignement en Haïti, il doit avoir plusieurs centaines de millions de gouttes. Mais moun qui a fait travail là, moi, ça n'a pas privé dans même. Au point qu'on gagne une multitude de secteurs qui, pour des titres, y a fait renseignement, finalement, ce sont des secteurs qui plus confinés dans du tripotage. Et parce que les structures de renseignement ne sont pas organisées. Donc, n'importe bagaille qui doit arriver nous à n'importe quel moment, à n'importe qui l'heure, et nous, assez souvent, nous avons l'autre alternative que plein. Parfait. Ou bien, des fois, il y a des paroles gauches que l'autorité est obligée de dire. Donc, moi, quand nous avons des problèmes sérieux, des problèmes de fond, il faut nous avoir courage pour nous aller côté problème. Là, on va attaquer les gens qui derrière, monsieur, dame, qui fait des autres. Mais c'est ça, nous, il n'y a pas qu'à faire des autres. Des autres pas fait en bas, dans aucune société. Là, pour nous résoudre le problème élection, ce n'est pas les gens qui sont passés sur le motocyclette à le tirer, à le chercher. C'est les gens qui sont capables de voir. Que m'identifier, que m'neutraliser. Est-ce que vous reconnaissez vous identifier? C'était deux voix pour m'identifier. Je dis, je ne vais pas identifier, ça va intéresser moi comme ma responsable. Donc, l'homme a deux voix pour m'identifier. Je vais identifier. Et je vais faire techniquement ça pour m'identifier. Qu'il faut avoir l'élection, tu es passé, j'en ai passé. Qui est la motivation pour alimenter des gens dans le cas où vous voulez vous faire des choses? Désespoir par le haut ou des désirs. Des désirs ou désespoir. Il y a des gens qui ont un désir pour avoir un net, pour avoir un corps, pour avoir plus de corps. Ça fait avec lui ou pas connaître. Parce qu'au niveau corps, vous avez même la banque ou pas capable de mettre. Donc, même corps, là, vient tout un problème. Ou pas capable de mettre la banque à l'extérieur, ou pas capable de mettre la banque ici parce qu'il y a des règles. Et le pays dans tout ça. Tout le monde est là où il y a un nègre qui arrive dans le point côté lui où est tête et seulement comme monde. Et ça a privé dans la société noire en pile. Par exemple, moi, nous avons travaillé, nous fait sur le plan de la sociologie, nous remarquons en gré, ça nous remarquait, haïtiens ignorer les gens qui sont côté là. Ils connaissent peut-être pas. Des fois, même en famille, il y a des sectionnements et des divisions au point que chaque monde connaît peut-être pas. Donc, quand dans une société, nous dit, ce n'est pas rien, mais. Ce n'est pas vrai, nous ne pas vrai, nous à côté de nous. Non. C'est l'existence lui-même que nous ne connaissons pas. Donc, si nous ne parlons pas d'existence, nous ne pouvons pas faire un boulot. On prend le cas. Nous avons vu l'expérience dernièrement, j'étais malade. Je regarde pour moi. Je regarde des petites qui prennent. Une petite qui prend avion, rentrer. Une autre qui prend avion, rentrer. J'étais à l'hôpital, je ne suis pas jamais pas entouré par des amis, des proches, de la famille. Et même pour dire ça qui a passé dans la tête, et je regarde qui poids du point de vue moral, ça contribue à notre traitement. Et puis automatiquement, je pense à un monde qui a un monde à mener à l'hôpital général. L'elfine déposé, c'est le cours à l'acheter en seringue, c'est le cours à l'acheter en sérum. Ou un état mental malade, ça y est. Pendant ce temps, on prend l'argent pour acheter. Dernièrement, je pense au docteur qui a dit il y a des jeunes, 18, 20 ans, qui ont mouru peut-être en oxygène. Oxygène à moins de 300 mètres de l'hôpital là. Et assez souvent l'argent pour acheter oxygène passe dans poche ou l'autre nègre. Ou bien instrument qui vous dans l'hôpital là qui pour faire travail pour moun qui désœuvre ya, gros nèg qui prend dans fait clinique la vel. Et nous connaissons ça dans la société ya. Donc pourquoi? C'est le mépris de l'autre. Nous pas même mépriser non, nous ignorer que l'existait parce que si nous connaissons qu'il existait, nous t'a connaissons autant de besoins que nous-mêmes. Donc Haïti sont un pays qui aujourd'hui a ville construit sur l'inexistence de l'autre. Je ne dis pas le mépris, non, l'inexistence. Donc c'est moins et moins seulement, moins pour gagner, c'est moins gain désir. Donc son pile qui gagne désir d'argent, qui gagne désir pour le chef,
qui a moyen pour justement des moyens pour financer des nègres qui prennent chef, pour eux-mêmes qui sont toujours capables d'autorité pour faire des ordres. C'est ça le pays nous envie aujourd'hui. Il y a un chef qui l'a eu, mais tu es garçon à taille pour jouer avec ça. Il faut qu'on connaisse. Et c'est ça que je dis, président Jovenel, c'est un chaos pour gagner un monde pour gérer là. C'est un chaos. Ça veut dire que, bon, par contre, qui méthode vous avez utilisé pour paraître devant une société comme ça, et puis pour le prendre, vous mettez sous épaules pour voter. Mais de toute façon, c'est une responsabilité d'État. Et il faut nous jouer un mounio qui a une capacité pour nous mettre une attache pour faire travail pour faire parce que l'État n'est pas associé avec des zones. Colonel Imia, c'est un plaisir pour nous parler matin. Merci infiniment, bon travail et puis bien content de rétablir. C'est un qui remercie, merci beaucoup. Et nous souhaitons responsable, discernement et surtout bon courage. Voilà, notre invité ce matin, le colonel Imia Rebu, pour nous faire mise au point ça. Merci tout le monde. Si vous avez suivi en direct, bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.